Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yoniki, mais on se retrouve aujourd'hui pour New Pokémon Snap. Presque la fin, presque la dernière zone, presque tous les Pokémon capturés quasiment. Après, ils nous en rendent plein parce qu'il y a des légendaires qui se débloquent en fin de game. Voilà. Mais on avance bien, donc faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, les gens à s'abonner à la chaîne évidemment pour le 900K. Et Guillaume est allé jusqu'au niveau max. Ouais, bravo. C'est vrai, j'ai joué un peu. Oui, c'était il y a longtemps. J'ai fait des belles photos. J'ai fait des très très belles photos. Oui, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à s'abonner à la chaîne. Pour le 900K. Allez dire si ça vous plaît, allez dire si vous avez fini. Bah pour les fans de Pokémon, à 900K, il y aura un truc bien, vous l'avez vu. La petite, normalement, display évolution. Voilà, vidéo, 36 boosters. Voilà. Et donc on part direct, hein. Let's go. Ce sera cool. Et des surprises aussi avec des trucs. Mais vous allez voir. Vous verrez tout ça. Pour ne pas louper tout ça, il faut aller dans la description, s'abonner à la chaîne. En bas, tout en bas. Et mettre la cloche pour savoir quand est-ce qu'on sort nos vidéos. Tous les jours, midi et 16h30. Oui, parce que Navlagdizar, vous avez fait deux vidéos aujourd'hui. Oh là. On fait deux vidéos tous les jours. Tous les jours. Depuis des années. 4, 5 ans. 6 même maintenant, pas, je pense. Ça fait longtemps. Je sais pas qui c'est. Et oui, parce que c'est notre délire de la chaîne, parce qu'on veut faire tout ce qu'on a envie de faire et on n'a pas envie de se priver parce que, bah tiens, là c'est un nouveau jeu, donc on ne pourra pas faire autre chose. On aime bien faire plein de trucs différents, et genre vous le savez, c'est... Là, ah oui. Oh, c'est Stélix. Ouais, c'est marrant. C'est pas mal. C'est assez marrant, ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le viser. Il doit être en... Ah, il faut que je lance des pommes dans les trous. Cavité. C'est pas une cavité, ça. À droite, là au-dessus. Plus haut. Il veut sortir? Ouais. Bah attends, je vais le faire, je pense. Parce que là, la visée tire avec moi. Ah! Là. Pam. Prends-moi ton vide! Mais non, mais zoom pas, il est déjà gros. Ouais, mais bon, du moment qu'on a une photo. Oui, de toute façon, peu importe, il faut une photo. La manette, elle en peut plus là. Ça m'étonnerait qu'il sorte par ce petit trou. Là. Stélix, pour l'instant, je dirais que c'est le troisième bien. Ah, les Stélix, c'est pas mal, hein. Ouais. Il y a Milobelus, Meganium, Stélix. Ma première carte japonaise quand j'étais gamin, c'était un Stélix de Néo. Qui est dégueulasse, d'ailleurs. Il va arriver ou c'est de l'autre côté? Vu sa taille, il va falloir le toucher avec plusieurs orbes lumina pour avoir un résultat. Donc ça veut dire qu'il faut toucher après avec un orbe lumina. Oui, donc c'était pas bon les photos. Non. Derrière. Là, vite, vite. Oh. C'est une blague. Ça va être assez relou, hein. Il est en dessous, vite, serre-toi du radar pour peut-être l'attirer avec des pommes tendres. Radar. Là. Une présence semble se dissimuler dans le brouillard. Vite. Je me cours. Oh non, mais vraiment, c'est vraiment ça le délire, là. On nous l'a dit, hein, que c'était vraiment relou. C'était la pire zone. C'est ultra relou, là, pour le coup. J'ai touché une fois. Oui, tu as touché. Le pire, c'est là. Il passe là. Il faut que tu lances le radar. Il passe là où il y a le radar, donc là. Ok. Mais. Ah, là, tu as. C'est impossible. C'est impossible parce que le temps que tu lances l'orbe. Ah oui, il garde l'orbe quand même. Donc je pense que c'est bon. Non mais. C'est juste trop. C'est trop dur. Bah non, mais c'est pas forcément dur, je pense, qu'en plus t'as l'accélération et tout. Mais... Oui. C'est pas ouf. Pour le coup. Faux Sardine était mieux parce que un peu plus dynamique. Mais là où faut lancer, en fait, on devrait pas lancer. C'est pas. Tu joues pas Call of Duty, quoi. C'est pas précis. Bah ouais, c'est précis, mais faut bon, viser faut la fin. Viser, quoi. Bon, c'est bon, tu l'as en photo, on s'en fout. Je pense que c'est bon, hein. Oui. Oh la vache, la zone pourrave. Mais ça dure 2 minutes, ouais, quoi. Je me demande qui c'est en deuxième Pokémon. Hein. Non, Noctel. Ah, faire un détour. Oh là, attends. Oh là. J'ai remarqué quelque chose pendant que tu poursuivais Stélix. Oh, il y a quelque chose de bien, ça se trouve.
Tu te souviens de la paroi qui s'est effondrée? Il semblerait qu'il y ait une grande pièce derrière. Et d'après l'analyse du radar, cette pièce serait de construction artificielle. Allons inspecter ça de plus près. J'ai pas dit oui. Ouah, professeur, c'est quoi cet endroit? Ouais. Je pense qu'il s'agirait encore de ruines liées au Pokémon luminescent. Oh, c'est Elle est X5. Bah ouais. Et du coup, il y en a un qui est face au milieu. Donc c'est LE Pokémon luminescent. Cette fresque est très vieille et abîmée par endroits. Lance des pommes, ça se trouve ça va s'ouvrir. Et approximativement, elle semble datée. Donc Meganium. Ah, vous m'avez fait peur. Pourquoi tant d'enthousiasme? Parce que cela signifie que cette fresque date de la même époque que la chute de la météorite. C'est qui au milieu? Donc Milobélus, Pyrax, Stélix. Cette fresque est donc une représentation. Vous croyez que les Pokémon les ont protégés de la météorite? Si je tire au milieu, je gagne. Ces motifs, ce sont ceux des Pokémon luminescents, non? Oh là là! Wow! Mais alors, cela voudrait dire qu'il existerait déjà avant la chute de la météorite? Et qu'en est-il du centre de la fresque? Y avait-il un sixième Pokémon luminescent? Pikachu détective. Ah, blague interne. Professeur. Pour ceux qui nous suivent. Oh pardon. Pour la perspicacité. J'étais perdu dans mes pensées. Mais ils auraient pu faire des Pokémon mignons. Ah. Oh non, c'est. Il y a une dalle, c'est une dalle. Je sais pas. Non mais. Oh mais là on s'enfonce dans le mur. Ah c'est vrai. C'est... En fait, c'est. Je trouve que les cinématiques sont vraiment pas bien faites dans ce jeu-là parce qu'en fait là par exemple là pendant ils auraient pu faire un truc stylé tu vois avec une continuant oui. Le truc. En fait t'as un texte qui oui, se lit en haut. Oui, c'est et toi ça. T'es là et tu fais. Je dois faire. Ouais, tu l'as photographié une fois. C'est bon. Non, j'ai photographié un Pokémon, mais il y en a une qui est bon. Oui, mais du coup, c'est bon. Ouais, bah. Bon, super. Vas-y. C'est dommage, quoi. Ouais, les Pokémon mini sont. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce délire. Et franchement, il aurait dû avoir, je sais pas, plein d'Onyx dans la grotte. Et oui. Puis il y a le gros Stélix oui. Qui est caché derrière qui arrive oui, de temps en ça. Temps. C'est vide. C'est vide. Les Pokémon mini sont c'est vide. Je dis à moi, elle est moche, la photo, c'est nul. J'aime pas les Pokémon luminescents. Le seul que j'aime bien, c'est les Meganium. Il te manque des évolutions, non? Alors, j'ai Nymphali, j'ai Philali, j'ai Mantali, j'ai Evoli, j'ai Pieroli, j'ai Aquali. Waouh, ça converge vers un nouveau point. Oh. Donc, il reste un Pokémon luminescent. Tu savais ça? Ah ouais, mais t'es nul. Mais tu sais non, qui c'est? Mais on se les spoil à la fin. Non. Bah si, moi j'ai vu sur des miniatures. C'est qui? Bah, ah c'est, oui, bah oui, bah oui, c'est... Bah si, c'est le Pokémon de fin, c'est ça. C'est le... Oui, oui bah mais... oui. Attends, on va pas spoiler les gens avant bah de... Bah non, bah c'est logique. Oui, c'est logique. Et le famoso. Donc normalement, il me manque juste Nathalie. Je crois que c'est Mias Max. Je ne sais Max. Pas c'est quoi penser. C'est Mias Max. C'est tellement... Non mais les jeux, on l'a déjà vu. On a été obligé de regarder pendant diplôme. Il y a 6 Pokémon luminescents, mais on l'a vu. Bien sûr, ce n'est pas exactement... mais oui, mais on sait, mais il y en a un autre, mais attention, mais c'est impossible, mais c'est... Ah Pokémon Pikachu Détective. En fait, tu sais déjà le truc, mais t'es obligé quand même de... Ah non, mais t'as vu, en fait, il y a un sixième au milieu. Mais non, mais et c'est du coup, pas il Peggy est où, ce 2, Pokémon quoi. Eh ah, bien, si c'est Peggy 3. C'est là ah, que oui. Les choses deviennent intéressantes. Il semble se trouver sur une île minuscule qui n'apparaît sur aucune carte. Je pense qu'il s'agit d'Oreas, la fameuse île dont parle la légende. Oreas. Nous voilà enfin face à notre... Moi, je vais le faire, le chef. Ultime exploration. J'espère que vous êtes prêts à lever le voile sur... Exploration. Est-ce qu'on va quand même voir qui c'est le Pokémon? Non, non, moi je veux voir lui. Non. Moi je veux voir lui. Tiens, voir le Pokémon si tu veux. Un peu de suspense. Ruine. Il y a qui aucun suspense. Zéro suspense. Allez, bam, j'y vais. Mais non, mais je veux savoir c'est quoi. Ça se trouve, il y a... qui c'est? Ratatak. Ratatak, Dagdalola. Trio Picker et... Staros. Bague. Vous comprendrez que si vous regardez toutes les vidéos. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est joli. C'est très mignon. C'est mignon. Pokémon. Oh, oh il y a des Pokémon en bleu.
photon. Ah, ah, il... va pas trop vite, va pas trop vite. Prends la photo. Prends la photo. J'ai pas aimé. Mais X, t'as pas fait X. Mais attends, mais je suis paumé, moi, je crois mais que mais va pas trop vite. Mais je fais pas trop vite, c'est pas moi, ça va, si j'appuie sur rien. Ah bon, mais ça va super vite. Mais, oui, va vite. Mais pourquoi tu vas pas aller radar à gauche? Radar à gauche. Depuis tout à l'heure, ça clignote. Mais ça clignote de tout écouter, là. C'est mieux sans mettre entrée, l'entrée des ruines. Voilà, voilà, c'est juste ça. Oui, mais ça se trouve, c'est pour débloquer. Ah, c'est bon, c'est celle qu'il faut prendre en photo. Ok. Elle est allumée. Voilà. Wow. Un démolos. J'en suis les pommes. Oh là, elle est vénère. Oh là, elle est où, une créature. Trop cool cette photo, hein, j'avoue. Un démolos. Oh, oh bruit vert, mais il est beau. Oh, elle est bien, elle est derrière. Il est beau, bruit vert. T'es vénère, toi. Tululululu. Cool, une nouvelle zone. Ah, oh, Tritox. Des Tritox. Ouais, c'est pas le plus beau des Pokémon, tu vois. Hein. Mais bon, ça fait ah, un peu l'ambiance. Zone 1, c'est trop chiant parce qu'en fait, zone 1, ils font tous rien. Tritéro. Ils font tous rien. Oui, bah oui. Et ils attendent que t'aies... Oh. 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 Bah, c'était trop sûr. Trop bien, chauve-sourire. Il est trop mignon. Il y a un trou, Cimer. Ils me prennent pour un noob. Oh la vache, c'est beau. Waouh. Oh. Oh. Cryptero. D'abord, je m'avance. Oh, il s'est... Ok, oui, tranquille, pourquoi gros. Ok. Oh, c'est trop propre. Oh, oh, c'est trop... Golemastock, c'est trop bien. Des pommes. Le mur est couvert de marques en forme de cœur. Ah oui, c'est pas plutôt des pommes. Golemastock. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ah, je peux pas. Il y a plein de Golemastock. Ah, il y a un truc qui te t'empêche de bouger, non? Quelle méchanceté. Mais prends pas trop de photos, hein. Oh, Meganium. Meganium. Neitram. Neitram. Il va s'énerver, il va s'énerver, il va se vénère, il va se vénère. Oh, c'est trop bien, une nouvelle zone du Dino Snow. Mais oui, c'est trop cool. Trop bien. Bah non, mais ça c'est cool. Là, je veux bien. Une fleur de cristal. Je suis exigeant, mais... C'est bien, c'est quand même la fin d'un jeu, à peu bah près, oui. Quoi. Faut que ce soit stylé. Oh là, il s'est tourné oui, il a codé, il a bugué un peu. Ouais. Golemastock, prends pas trop de photos, hein. Il a l'air d'avoir pas mal de Pokémon. Ah, XXX. Il y a de nombreuses entailles très profondes dans le sol. Bah, c'est mort ça. Ouais, il faut attendre d'avoir une fleur. Ouais, il faut rien en plus. Pokémon, tu ne rajoutes pas ce que tu fais. Oh, Natu, c'est trop mignon. Ils sont mignons. Il y a plein de Pokémon dans cet endroit. Mais non, mais la zone est trop bien, mais c'est ça qu'on veut, voilà. Toi, on aurait dû ah, faire. Ah, il y a des fleurs de cristal partout. Ah, oh, un Natu sur un Golemastock. On aurait dû faire. On aurait dû faire. Oh, les fleurs de cristal de chaque couleur. Oui. Ah ouais, donc ça se trouve, il va falloir avancer dans chaque. Cryptero, Neitram. Ah, il y a un XXXXXX. C'est là. La disposition des fleurs de cristal coïncide avec celle des statues. Ah oui. Il y a encore un X. Golemastock. Il y a un mystérieux piédestal derrière le Golemastock assoupi. Faut que tu lances un... Il y a un... Non, il faut que tu lances un... Une pomme. Faut que tu lances une pomme dedans. C'est un piédestal. Ah oui. Bah voilà, c'est ça qu'on veut. Bah ouais, mais très bien cette zone. C'est ça qu'on veut. Bah oui. C'est cool. Donc là, ouais, on va ouais. Avoir... On a trouvé la fleur allumée. Ah, oh, 3. Il y a 3. Ah bah... Bah c'est... Celle d'après. Celle-là, hein. Non, après. Mais non, il est pile au milieu. Ah oui, ouais. Magnifique. Blanc coton. Bah, celle-ci, elle est bien. Ouais, ouais, celle-ci. Ouais, celle-ci, elle est bien. Natu. Enfin, elle est correcte. Ma Natu, c'est dead. Mmh. Non, celle d'avant, ouais. Golemastock. Normalement, il y a des biens. Hein. Il y a 2-2. Non. Il y a celle-là. Celle-là. Celle-ci m'a dit belle photo. Hein. Bon, bah, celle-là. Bruiverne.
Ah, elle a 3. Bah, allez, celle-là, est magnifique. Diamant. Diamant direct. Bah, celle-ci, vous pouvez pas se retourner. Ruine, vas-y. Fleur de cristal. Ouais, c'était ouais. Ça. Ouais, Neitram, on a une 2. Non, mais la 1. La 1, ça la 2. Ouais, la 2. Oui, celle-ci. Ouais, la numéro 2. Cryptero, on a une 3. Ah, pas mal. Ah, mais c'est quand il fait ses rayons de partout, là. Celle-là, celle-ci, pas mal. Hein. Vas-y. Et chauve-souris. Non, bah, ah, bah, celle-là, elle est magnifique. Je pense que je vais avoir un peu de diamant. Je pense qu'on va peut-être même passer de niveau. Hein. Direct. Voilà, ça c'est une bonne zone. Démolos, magnifique, diamant. Je pense que, ouais. Diamant. Ouais, diamant. Bah oui, 2002, ouais. Blanc coton, argent. Il est pas gros. Oh, diamant. Non mais, les gens, attends. Non, mais non, là, cuivre, enfin bronze. Bronze, ouais. Bah, diamant. Diamant, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je dirais en taille, fais voir. Ah, Mickey. Ouais, angle de vue 1000. Ah, oh, dommage. Non, angle de vue 1000 parce qu'elle sait exactement ouais, ce qu'elle est. Ouais, mais il manquait de la taille. Ouais, il manque la taille. Oh, bah, diamant, diamant. Elle est propre. Hein. Ouais, elle est trop propre. Trois diamants, hein. Pas diamant. Pas diamant. Les chauves-souris, je pense que j'ai fait bien. Oui, aussi. Diamant. Et Liusor, bah, Neitram aussi, ouais. Argent, pas mal. Or, pas mal. Diamant. Bah, il brillait pas, si, un peu, mais. Bah, il est plus luminescent. Bizarre. Un cryptéro, c'est possible, hein. Il est un peu coupé. Il est un peu coupé, mais ouais, c'est bon. Diamant. Oh là, 4. C'est possible, diamant aussi. Non, parce qu'il est un peu loin, mais c'est pas mal quand même, je pense. Or, ouais. Fleur de cristal. C'est pas mal le diamant, hein, c'est mais bien. Mais ouais, c'est bien. Et ruine antique. Et normalement, c'est pas mal. Un nouveau chemin, blablabla. Ou, à propos. À propos, je tiens à te faire part de quelque chose. J'ai trouvé les arbres. Ah bon, parce qu'en fait, depuis le début, c'est toujours pareil. Tu prends en photo la fleur et après, t'as les arbres. 40 000, bah, c'est mort. Bah oui. Presque. Tu démarres sur les chapeaux de roue. Pour le coup, dernière ouais, c'est exploration. Pas mal. Donc, c'est la dernière. Oh non. Bah oui. Ouais. Botaniste, machin, détective. De toute manière, on fera une vidéo peut-être finale avec ouais, tous les légendaires. Oui, c'est ça. Ouais. Où on aura regardé avant comment faut les avoir. Ouais, voilà. Alors, elles étaient incroyables ces ruines, comme oui, tu comme dis. Tu dis. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué qu'on pouvait clairement y distinguer deux sections. Les ruines situées au fond de la grotte présentaient des caractéristiques différentes de celles qui se trouvaient près de l'entrée. Donc en fait, il y a deux zones. Plus précisément, les ruines souterraines semblent plus récentes et donnaient l'impression d'avoir été érigées en vitesse. C'est vrai que ces ruines étaient bizarres et poussaient des fleurs, ouais, même des autres îles. C'est bizarre. Si nous voulons avancer dans nos recherches, nous devons élucider le mystère de ces ruines. Pendant voilà, que je suis, ce sont les dernières orbes lumières que j'ai mises au point. Nous sommes tout près du but. C'est et ça ouais, qu'il fallait pas refaire l'autre zone, là, on s'en fiche. Là, ce qu'on veut, c'est le dénouement, peut-être. Peut-être le dénouement. Enfin non, parce qu'après, il y a des légendaires. Les légendaires valent le coup. Hein. Oui. Sont vraiment, oui. C'est vraiment des gros légendaires, quoi. Oui. C'est du haut, c'est du Suicune. C'est du high level. C'est du high level. High level. Alors, allez, on va illuminer toutes les zones, là, avec notre orbe Lumina. Zorb. Les orbes, Lumina. Les orbes. Zerg. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai pas vu où fallait bifurquer là pour le faire. Ah, y'a pas. Tu veux pas. Pas c'est tout niveau suite. 1. Je pense que tu veux pas. Tu peux après le faire. Change. Ouais, ouais, et vas-y, accélère. Oh bah, y'a plus des molosses. Non. Ah, tu peux. Ouais. Vas-y. Plusieurs, faut faire. Ah, ils arrivent. Et à gauche, là. À gauche. Gauche, non, en haut, il y a rien. Il y a la fleur derrière toi, en haut à droite. À droite, elle est déjà allumée. Et les blancs cotons ouais, en photo. Blanc coton shiny. Mais c'est trop mignon, il faut. Ah bah on l'a déjà en diamant. Hein. Faut que tu lui envoies une pomme. Ah oui, il aurait fallu. Mais bon, on l'a déjà. Oui. Je refais quand même au cas où. Allez, let's go. Bah, il y a les ruines là. Luminescent. Ah bah, il y avait un démolos qui arrivait, tiens. Ah oui, il y en a un là-haut. Ouais, mais il est trop loin. Ah bah là, il arrive. Oh, dommage! Pom! On a pas un 2. Vas-y! Oh, elle est trop bien cette photo! Elle est magnifique! Ouais, elle est super bien! Elle est trop bien! Bruit verne! Il faut lancer un truc! Pom! Plus haut! Ouais, tu lances toujours ça, trop bas! Donc là, celui-ci est bon! Là, il y a Tritox! Ah, il se retourne! Vas-y, envoie des. Ah! Tu aurais pas vu faire ça de l'autre sens de toi? Allez. Ouais. Ah si. Oh.
Il y en a d'autres. Je vais refaire. Au-dessus, au-dessus, attention. Ok, Guillaume, il me dit au-dessus, c'était trop au-dessus. Il est dur à voir le petit, hein. Bon, bien. Alors, Cryptero. On l'a en 1. C'est joli ici. Ouais, c'est très beau. Non, je l'ai en 3. Donc, tu peux lui envoyer une pomme. Vas-y, 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 vas-y. Pas mal. Voilà. Ouais, là, on l'a. Le 3, on s'en fiche. J'avance un petit peu. Vas-y, vas-y. De toute façon, Mastoc, le Cryptero. But, c'est de... Je regarde s'il y en a d'autres ou pas. Là, il y a une fleur. Par ouais, terre. Ouais, tu peux pas viser en bas. C'est quoi cette excuse? Lefsor, enfin Netram. Ouais, attends, j'essaie de viser la fleur. Non, mais faut que t'avances et que tu tires en arrière. Plusieurs fois, plusieurs. Oh! Ah, il faut faire toutes, il faut faire ah toutes. Ah oui, ok. Kamehameha! Là, la fleur, la fleur. Ah! Bien joué. Ok. Bien joué, bien joué. C'est peut prendre en. Oh, il fait un truc, il fait un truc. Et il rigolait. Ouais, c'est ça. Ouais, bizarre. Bah c'était pas mal. Là, il faut. Non, la fleur, toujours. Ok, elle est où? Au-dessus? Au-dessus de lui? Non? Il y a pas de fleur. Oh, punaise. Ah, là. Si tu loupes, c'est mort. Ouf. Regarde à droite si ça fait quelque chose. Ah, c'est oui, vrai, c'est bon, ça c'était bien celle-ci. On s'en fout. Oui, oui, les fleurs. Parce que le problème, c'est que si on les loupe, c'est... Ah oui, là. Non, j'ai visé les blocs en temps. Bah oui, c'est bon, je pense. Non, c'est pas bon. Vas-y, il faut que tu continues, vite. C'est ouh, bon. C'est bon. Mais non, parce mais que ça fait... Mais c'est blocs en temps. Mais oui, mais c'est fait exprès. C'est horrible. Mais non, mais c'est pressant, mais au moins, c'est bien. Oh, il est trop mignon. Et, mais tu... Et là, la fleur. Oui. Ah bah, c'est la dernière. Vas-y, c'est attends, sûr. Fais voir. Ouais. Derrière toi, devant, de l'autre côté. Là, derrière toi. Oh punaise. Ah, c'est une blague. C'était ça, non? Mais non, quand même, on voit rien. Si, c'était ça. Ah, c'est une blague. Je t'ai dit qu'il fallait que je fasse les fleurs. Si, tu vois bien, elle est pas allumée là-bas. Mais il y en a deux qui sont pas allumées. Non, celle-ci elle est allumée. Oui, mais au fond, vas-y, allume-la. Non, ah, c'est là. Ah, c'était là-bas. Il fallait qu'il bouge. Ah, oh, oui. C'est good, vas-y, c'est vas-y. Good. Au milieu. Attends. Au milieu. X. Est-ce qu'on a fait un truc ou pas? Mais là, ça. Il va se passer quoi? Dégage, gagne ma sac! Ah bon, on y va. C'est vrai? Ouais, ça y va. Ah, trop bien. Oh, punaise, la dernière. En fait, il fallait que tu fasses bouger les collets master. Oui. Ah, c'était abusé. C'était abusé, ouais. Je savais qu'il fallait pas contre l'eau. Bien joué. Bravo, quand même. Ça va. Bah, la visée, elle est... Non, mais c'est horrible la visée, vraiment. C'est vraiment. Ouais. Il semble que les ruines se sont activées. Ouais, ça c'est stylé! J'avoue. Ça c'est digne d'une fin. C'est le Stélix en dernier. L'énergie de chaque île afflue vers la nôtre. Vers la voûte. Vers la vôtre? On dirait que tu peux remonter Vas-y par là. Monte! Il est temps de partir! Je vais activer un site de téléportation là-haut. Rejoins-moi à la base. Ah non? Quoi? Mais bah oui, parce qu'il faut quand même noter ce qu'on a. Et en fait, on va aller dans un autre endroit. Dans les vraies ruines, c'est ça? Oui, il disait parce que ça, c'était l'autre pas l'arrache. Ouais, c'est bizarre. Punaise, moi, je veux le dénouement, là. Oula. Ah non! Attends, c'est moi qui... Oui, vas-y. Bon, ça va, alors, on a sauvé les meubles à la fin, c'était oui, un peu compliqué. Oui. Mais non, mais c'est le Golem Airstock qui a mais bougé. Ah, oui. Oh, j'ai une 3. C'est pas mal. C'est celle qui dérive à la fin. Ah non, c'est celle-ci. Bah, celle-ci. Celle d'avant. Hein. Ah, oui. Ouais. Il n'y a pas encore après? Non, il y en a, non, ah, non, y a que deux. Ça. Celle-ci, elle est cool. Mais celle-ci est cool, ouais. Vas-y, celle-ci, hein, celle-ci, pour la taille. Démolos, on l'a une, deux. Ouais, après. Tu l'as debout, non? Ah, c'est qu'une 1. Ouais. Celle-ci, elle est cool, hein. Celle-ci est cool, hein. Ouais, bon, de toute façon, une 2, c'est facile. Bruyverne, je vois pas mieux que ce que t'as fait. Tritox, j'ai une 3 de loin. Ouais, j'en non, ai 8. Oui, après. À la fin, quand ils arrivent tous. Bah, c'est là, hein. Celle d'avant, je dirais, elle est un peu plus proche. Ouais, celle-ci, ouais. Vas-y. Chauve-souris, maintenant, c'est une cata. Cryptero, on a une 2. Ouais, quasiment l'avant-dernière. Bah, je dirais celle-ci, et fais voir après. Ah, c'est tout. Non, encore, fais voir. Non, après c'est une 1. Ouais, ok. Et donc c'est la 6. Celle-ci. Ouais.
Golem Astok en 3. 3, bien. Ah, c'est quoi, il fait Bah, c'est la... Ouais, c'est sûr. Neitram, je pense que... Ah, on l'avait déjà la 1. Ouais, mais, ouais, mais celle-là ou celle-là? Celle-là est belle. Ouais, mais l'autre, faire celle-là. Faire celle-là, ouais. Ouais, celle-ci. Ouais. Celle-ci est belle. Ouais. Et là-dessus, j'ai pris en 4. Oh. Pas mal. Ouais. Mais c'est bizarre, je comprends pas les Pokémon où t'as des trucs 4 et en fait c'est méga loin, t'es toujours loin. Ouais, et en fait ouais, tu peux avoir du 4. Mais... Ah, argent. Démolos, bah ouais, diamant. Diamant, direct. Ouf, pas loin. Tritox. Diamant. Ouais, c'est loin quand même. Mais diamant. Ouais, pas diamant. Il y a trop diamant. Oh, dommage. Bah il est trop loin. Non, faut que tu sois plus près, ouais, c'est un peu compliqué. Diamant. Diamant, bien joué. Golem Astok, il veut pas. Oh, ouh. Diamant. On a fait que des diamants aujourd'hui, ouais. Bien joué. Pas mal, hein. Pas mal. Ruine. Et donc là, on passe au niveau 2. Ah. Elle est bien, cette zone. Elle est jolie, elle est, elle est assez majestueuse, assez stylée. Nos recherches continuent. 5000 fautes, on a pris. Hein. À propos, mes recherches ont bien avancé. Ah, donc c'est une nouvelle zone? Oui, je pense que c'est une nouvelle zone, ouais. Mais je pense pas que ce soit encore le Pokémon luminescent. Ah, donc c'est cool. Bah ouais. Donc c'est quand même long hein, comme let's play. Hein. Ouais, c'est quand même assez long. Il y a 15 heures de jeu. Ouais, après, si tu veux farmer ouais, si tu veux à fond, le maximum, t'en as bien pour 25 heures. Hein. Parce que ouais, ouais, on a bien recommencé souvent. On a fait les zones hors vidéo. Bah et moi, tout. J'ai fait la zone max avant. Jack, on a quasiment joué autant en vidéo qu'hors vidéo. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bah go. Et bah oui, équipe de mieux placée pour immortaliser cette rencontre que toi, GK. Bah, c'est vrai qu'il dit ça. Oui. Bah. Et passe le bonjour au Pokémon luminescent. Ça va à ça de mettre son nom du coup. Allez, bonne chance, on compte sur toi. Est-ce que je te laisse le dernier? Le Pokémon luminescent de fin. Pour bah, finir j'espère qu'il est pas relou. Hein. Source Lumina. Ah. Mais les ruines sont très bien, moi je pensais qu'il allait avoir que le Pokémon luminescent, donc c'est cool. Les oui, ruines, c'est oui cool. Moi aussi je pensais qu'il y allait avoir que... C'est une bonne surprise parce que du coup les Pokémon sont plutôt cool, Cryptero, oui. Bah il manque un petit... Et donc on fera un dernier épisode un de... Un petit Spiritomb. Ça a été pas mal dans cette oui, zone. Oui, ça a été. En fait, il y a plein de Pokémon. Franchement, c'est quand même dommage qu'ils en aient mis. Pas si peu, mais qu'il y en ait plein oui, qui soient passés oui. à la trappe, qui méritaient d'être là. Pas forcément les premières gènes, hein, justement. Le signal est très faible, il provient de cet arbre. Je me demande. Je me demande ce que c'est, hein. Un arbre, on dirait. Est-ce que ça veut bien être c'est ectoplasma, non ectoplasma, ouais. Non, bon. C'est drac au feu. Oh, ça va les forcer. Et pour le coup, c'est original. C'est original. Pour le coup, c'est ultra ouais. original qu'ils aient fait ça. Ouais. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils ont pété jusqu'au bout en mettant vraiment plein de Pokémon. Comme je disais, Spiritomb, des Pokémon vraiment presque oubliés, tu vois. Oui, oui, oui. Les parce types Ozipi, Negapi, ouais, des oui, trucs ouais. que tu vois vraiment pas. C'est et ça, c'est incroyable. Cool. Nos capteurs n'ont jamais révélé une telle quantité d'énergie. Ça, c'est cool. Xerneas, c'est trop c'est cool. C'est ultra majestueux. Sachant que moi, c'est un de mes Pokémon préférés XY. Donc, si vous préférez les Pokémon Y, vous aurez pas eu votre mais non, mais Xerneas, si, il est peut-être, non, je sais pas. Non, Xerneas, il est majestueux. Il est majestueux, il est magnifique. Il est énorme. Il est incroyable. Xerneas. Voici enfin notre objectif ultime, le dernier Pokémon luminescent. Let's go. Alors, j'espère que c'est pas trop chaud. On va voir. Je vais aller doucement pour l'instant, parce que je sais ouais, pas ouais. s'il va pas apparaître. Bon, là, ça se passe rien. Hein. Non, pour l'instant, il y a rien du tout. Bon, j'accélère alors. Ah. Ah, là-bas. Ah, l'orbe. Faut lancer l'orbe sur l'orbe, je pense. Elle tourne. Attends, avance un peu. À gauche. À gauche, ouais. Alors, si tu essayes de lancer une orbe lumineuse sur cette sphère... Ouais, bah merci. Elle est vite, elle est vite. Insupportable. Ah touché. Attends, aussi. Touché hein. Je suis vraiment... Mais c'est non mais la visée c'est... La visée c'est une catastrophe. Oh là là, oh là là. Et j'espère qu'on va avoir du temps. Hein. Elle est partie où cette orbe là? Elle va être là. C'est vraiment qu'elle est vite, limite. Ouais. Ah, j'ai touché, réussi. Je crois que j'ai touché. Hein. Ouais. Oh oui, oh, oui. Vite, envoie l'orbe. Envoie l'orbe. Accélère, accélère, accélère.
On ne voit pas. Accélère en voie énorme. Ah oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah c'est bon, j'ai réussi. Ouais, bien joué, bien joué. Pardon, appuie sur X. Oh ah oui. Ouais, t'as pas beaucoup de X, temps. Là, fresque. Ah bah oui, c'est la fresque. Et du coup, on voit au milieu Xerneas. Franchement, ça aurait pu être Arceus. Ouais, après, ça... ouais, mais il y a le jeu qui sort l'année prochaine, donc ça aurait fait un petit peu trop. Ça, j'ai réussi. Mais ouais, en fait, c'est là, je peux comprendre. J'aurais compris pour le dernier, tu vois, parce que du coup, bon, c'est boss bah oui, de fin, c'est faut que c'est un peu dur. Entre guillemets, mais là, Tselix, c'était relou. Et en fait, là, je comprends, mais c'est un peu vite quand même. C'est quand même dommage, les gens, vous n'allez pas dire le contraire, qu'il n'y ait pas de petits Pokémon qui se trimballent, des petits Rattata bah, qui passent. Mais dans le niveau 2, en fait. Ouais, mais même au niveau 2, c'est pas... En fait, c'est pour se concentrer sur le niveau 1, mais. Ouais, mais il n'y a pas tant de Pokémon que ça en niveau 2. Oui, oui, il y en a 2-3 max. Bah, je pense que ça va être par là. Là, là. On voit des pommes. Un Stélix qui sort. C'est un peu dur à viser parce que du coup. T'avais une chance en fait. Mais il se passe plus rien là. Mais je sais pas. Tu reviens où t'étais. Mais dis pas que t'avais que ça comme chance. C'est, hein. C'est impossible hein, sinon. C'est vraiment vide, hein. C'est dommage. Ah, ah quand même. Il se passe un truc. Bah oui. Bah oui, 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 c'était beaucoup trop dur sinon. Ouais, avec ses couleurs et tout, bah ouais, ça pouvait être que Xerneas en fait. Oui, oui. Oui, et ses cornes, c'est toutes ouais, les couleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, oh, c'est génial qu'ils aient fait ça. Ouais, enfin, non, moi, ça me plaît. Non, Xerneas, c'est vraiment ouais, cool. Ouais, Xerneas, c'est trop cool. Il fait super majestueux, on dirait le truc dans Princesse Mononoke, quoi. Oui, ou. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Mais c'est ça, le cerf. Ouais, le cerf, ouais. Ah, le ouais. Cerf, c'est toujours majestueux, surtout chez les japonais. Hein. Oui, c'est oui, assez oui. Mystique comme animal. Ah non, non, t'es avec ça pour réussir. Boum ! Supernova ! Et hop, me casse. Et du coup, il revient... Tu vois, je comprends que ça soit long, là, parce qu'en fait, c'est... Bah oui, c'est la fin. Mais non, mais tu vois, c'est le truc mythique. Quoi. Attendons d'être tous au laboratoire pour en parler. Visé au pif, en plus. Bah non, mais vous avez vu, en vrai, tu vois même pas la distance, non, il y a un côté arqué, c'est. Mais non, mais je demande pas un FPS, mais. Et que ça soit plus facile à viser, quoi. J'ai cassé mon portable. Alors. On va les regarder plus tôt, tu vas aller voir oui, c'est quoi le numéro de celui-là. J'ai tellement de choses à te dire, mais commençons par l'évaluation. J'espère, j'ai pas une incroyable. Mais. T'as je une 2 quand même. J'ai quand même une 2. Ça, c'est une quand 1. Quand il te regarde, y'a pas. Bah la deuxième, la 4. Ouais. Et les ruines antiques, t'as ah, bien fait de prendre en photo. Ouais, ouais, heureusement. Bien joué. Source Lumina. Allez, c'est moi qui fais le 2. Alors Xerneas, bah normalement il est diamant. Hein. Oui, même si, bah parce que c'est facile, c'est pas, ça va être que 4000 à peine, ouais, mais ouais. C'est ça. Ouais. Et les ruines antiques. Ce sont des ruines antiques, j'ai l'impression que nous sommes un peu plus près. Il y avait donc bien un autre Pokémon luminescent, comme sur la fresque. Perspicace. Oui, tout à fait. Serait-ce la preuve des événements dépeints sur cette fresque bel et bien eu lieu. Peut-être que c'est Xerneas qui a réuni les autres Pokémon luminescents. Et qu'ils ont uni leurs forces pour protéger l'Antis de la météorite en créant une sorte de barrière. Une barrière assez grande pour recouvrir toute la région. Mais oui, je suis sûre que ça s'est passé comme ça. Ça voudrait dire que nos ancêtres ont construit ces ruines pour aider les Pokémon luminescents. Mais la météorite est tombée il y a 2000 ans, Xerneas aurait déjà dû se réveiller depuis le temps. Mais il a tout de même arrêté, une météorite c'est pas rien. Ça me paraît pas si étrange qu'il mette plus de 2000 ans à se remettre d'un tel exploit. Sinon, de quand date cette fresque à ton avis? Hein? Et qui l'a réalisée? Eh bien, il sait rien en fait le professeur Miroir. Ouais, il sait rien. Mais j'y pense. Comment se fait-il que les Pokémon luminescents aient choisi d'apparaître devant toi? Je suis un Pokémon luminescent. Mais oui, bien sûr! On ne savait pas! Hein? C'est une descendance, c'est ça? Si. Pareil! Les Pokémon l'aiment bien parce que c'est une descendante de. De Professeur Shen. Mais il n'y a pas 2000 ans. Ils ont mis mais non, temps à mais non, compte, mais hein. du mec qui a écrit le livre. Ah oui.
Oui, la ramasse. C'est parce qu'elle adore les Pokémon et qu'ils peuvent le sentir. Les Pokémon la font aussi en retour. Oh mon Dieu. Ah, je pensais que c'était un petit peu complexe que ça, un peu plus complexe. On dirait qu'il te reste encore beaucoup à apprendre. Oh mais c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé la solution, parce que c'est gnan gnan. Ouais, c'était bidon en fait. C'était tellement bidon. C'est ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario. Mais c'est joli. Ah, c'est Bandai Namco qui l'a fait. Mais oui, c'est parce que tu aimes les Pokémon et les Pokémon. Parce que nous, on les aime pas du tout. Ils puent! Faut les nettoyer, faut leur laver leur litière, c'est chiant! C'est quoi cette femme pourrie? Non mais sérieux! Je crois que c'est la fin la plus pourrie! Je crois que c'est la pire fin qu'on ait faite. Même Jean Fleuret et Jean Tarche, c'était plus mieux. Stylé! Oh la vache! J'espère qu'il n'y a pas trop de scénaristes pour ça. Hein, ah, mais moi je sais pas, un truc de stylé, ouais, c'est parce que. Ouais, je t'attends un truc. Ah, mais parce que c'est la descendante, oui. Oui, parce que son nom ne te dit rien, elle s'appelle oui. Comme ça, c'est celui un qui a écrit. Un truc à faire chercher, tu vois. Ah, bah parce qu'elle aime les Pokémon et ça se voit. Oui, mais je sais pas, t'aimes pas les Pokémon du coup, ça veut dire. Mais bon, alors. Non, franchement. Je pensais pas que c'était la fin aujourd'hui, tu vois. Ah si, moi je savais, ouais. T'aurais pu me prévenir. De préparer psychologiquement, c'est ça? Non, mais franchement, c'est un très bon petit jeu. C'est, ouais. C'est un petit jeu, voilà. Ouais. Est-ce que ça vaut 50 euros? Je sais pas trop. Je sais pas. Je dirais que c'est un jeu... J'ai dit que ça valait son argent tout à l'heure. Oui, je dirais, mais est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce que c'est un indispensable? Je pense pas. Non, voilà, c'est vraiment pas un petit jeu. Indispensable, ouais. C'est un petit jeu, c'est pas le jeu de l'année, mais franchement, c'était cool. Oui, franchement, à c'était faire, super cool. Et je pense que c'est un jeu, par contre, que tu peux tranquille rejouer de ton côté pour essayer de faire tous les niveaux. Bah, il y a une sorte d'accomplissement. Un petit peu comme Pokémon Rumble, finalement. Oui. Tu vois, sur Wii U. Oui. Sauf que Pokémon Rumble sur Wii U, il valait 10 euros. Oui. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un petit peu après, ça. Après, le... c'est plus joli, il y a une oui, sorte de petit Oui, mais scénario. Le ressenti, l'expérience de jeu est la même. Oui. C'est cool, c'est pas le jeu de l'année, et t'as envie quand même de compléter tout ton truc. C'est ça. Eh bien, quelle aventure! Et puis ouais, moi j'ai pas du tout aimé les passages scénarios. Ouais, je te le fais pas dire, grâce à tous vos efforts, nous avons enfin pu explorer la région dans sa globalité. Merci à tous, rien de cela n'aurait été possible sans votre aide. Ah, oh, merci. Mais mes recherches sont loin d'être terminées, surtout après toutes ces nouvelles découvertes. Vous inquiétez pas, professeur, je serai là pour vous aider. Merci Rita! Et toi, GK, il te reste encore tant à explorer. D'ailleurs, vous deviez pas nous parler d'un truc à ce sujet? Absolument! Je voudrais vous présenter la dernière fonctionnalité que j'ai mise au point, le score de parcours. Ce nouveau système permettra d'évaluer la minutie de tes explorations à la fin de chaque parcours. Pour avoir un bon score, il faut évidemment prendre de belles photos, mais il faut aussi photographier autant de Pokémon que possible. Oh, il faut refaire. En oh utilisant le mode en ligne, tu peux aussi consulter il ton faut, classement. Ça se trouve, il faut tout refaire. Et en fait, en plus des photos que tu as prises, eh ben, sur le parcours, il faut que tu fasses un méga score de parcours en prenant les bonnes photos au bon moment. Mode rafale. C'est une nouvelle fonctionnalité que le professeur bah, oui, a ajoutée. Parce que ça bouge super vite des oui, fois. Oui, prends systématiquement plusieurs photos d'affilée. Ah, c'est pas mal. Non, option, tu peux rajouter ouais, ça. Ouais, c'est pas mal parce que y a moyen de faire des photos intéressantes du coup. Tu peux remplir ton pot des. Bah là, ils disent, vas-y, tu veux t'amuser à farmer, tu peux quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est ils ça. Donnent des possibilités, c'est bien. Bah déjà, l'accélération, ça doit être dès le début, je pense aussi. Oui, ça, c'est ouais, vachement ça, bien l'accélération. Ouais. C'est pas question de farm là, c'est question de que tu contrôles, t'as plus la main sur le jeu. Oui, voilà. En fait, pour avoir un jeu actuel, alors s'il avait fallu que ce jeu soit vraiment le jeu de l'année actuel de Mala et tout, déjà, il aurait dû être moins calqué sur Pokémon Snap de Nintendo 64. Il aurait fallu qu'on ait la main sur le petit véhicule qu'on dirige. Oui. Et qu'on puisse s'arrêter et profiter de Pokémon qui se baladent vraiment ouais. partout à certains moments. D'avoir, par exemple, je sais pas, au lieu d'avoir un chemin tout tracé, un timer dans une zone. Et par exemple, bah tiens, au loin, il y a des trucs qui passent. Oui. Là, tu peux te placer là, t'attends. Un petit peu un mode safari, tu oui, vois. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut aller voir le soleil se coucher sur le récif de Copalia. Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui est apparu. Ouais. Mais on ira voir ça dans la prochaine vidéo. Oui, parce que là, c'est un des premiers indices. Je pense que ça va être ça. Donc, Copadia la prochaine fois, avec sans doute les premiers légendaires, bah, la continuité... Ah, on a exploré toute la région. Ouais, la continuité aussi bah, de notre exploration. Est-ce que ça met des points d'exclamation bah, on va voir. Ah oui. Ouais. Ils te disent. Donc, ils te disent d'aller là. Ok, donc wow, si je c'est guidé. Ah oui, okay. Le soir. Okay. Ah ouais, t'as remis un point d'interrogation. Non, non, mais c'est une nouvelle zone. Ah oui, on a déjà fait le récif le soir. Ah bah oui. Bah non, c'est nouveau, il vient de l'enlever, c'est au soleil le couchant. C'est ça.
Et bien, on ira voir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, okay. Faut me dire votre ressenti par rapport au jeu. Franchement, nous, ouais. On a passé un super moment. Si vous êtes fan de Pokémon, et franchement, si et vous êtes fan vous de Pokémon, avez plus trop de jeux à vous faire sur Switch, et vous avez déjà pas mal de jeux, par exemple, les gros classiques comme. Oui. Pas Mario Kart 8 Deluxe. Mais Zelda 6, c'est un classique, malheureusement, parce que c'est le oui. Mario Kart de la Switch. Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Link's Awakening. Link's Awakening, ouais. Ouais, mais ça, après, on aime pas oui. aussi. Fortnite. Et franchement, ça fait partie des jeux, voilà. des bons petits jeux à avoir. C'est et pas à faire. Le premier jeu que vous achetez sur Switch. Mais c'est pas le dernier. Après, si vous êtes fan de Pokémon et que c'est quand même un bon jeu. Ouais. Oui, voilà. Exactement. Voilà, enfin, c'était plaisant à faire. Ouais, exactement. Voilà. Donc rendez-vous dans quelques jours pour la suite des aventures de Pokémon Snap. Et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut!